Est-ce que vous faites jamais la queue trop longue à Starbucks? Puis, vous devez payer trop pour votre café et il n'est pas bon. Puis, essayez Buckstar Café! Margot Pierre ici, la fondatrice de Buckstar Café. Je suis la co-fondatrice et je m'appelle Yvette Dubois. Quand vous achèterez Buckstar, vous goûterez sûrement d'ingrédients naturels. Très beau, n'est-ce pas? La santé! Aussi, Buckstar distribue nous à votre part de la porte. Avec les bons services clients. Jamais ce café. Ouais, quelqu'un. Wow! Buckstar a beaucoup de clients contents. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de Buckstar? Qu'est-ce que le Buckstar? Qu'est-ce que vous pensez de Buckstar? Allemand, dégoûtant. Arrêtez, arrêtez! Quoi? Qu'est-ce que vous pensez de Buckstar? J'ai eu l'intoxication alimentaire pendant 2 semaines. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de Buckstar? Si j'en parlais, puis je vomirais. Ce café est très facile à faire. La consommation de Buckstar n'est pas conseillée aux vieux ni aux enfants. Ne le consommez jamais si vous êtes enceinte. Si vous buvez Buckstar Café, vous vomiterez probablement. Si les vomissements continuent depuis 2 jours ou plus, vous devez aller à l'hôpital. Ne prenez aucun médicament si vous buvez Buckstar. Ne consommez pas de Buckstar fraise de flemme ouverte. La consommation de Buckstar vous met à risque en maladie, par exemple l'hépatite, la grippe et la chlamydiose. Les effets du café sont le mal de tête, la bouche sèche et les ulcères éternels. Buckstar, meilleur que le café?